Et nous plongeons maintenant dans l'histoire et la tradition. Grâce à une très belle exposition à la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent, elle réunit avec beaucoup de goût deux grands couturiers, Jacques Doucet et Yves Saint Laurent, qui furent également l'un et l'autre de grands collectionneurs et des amateurs d'art éclairés. Nous pénétrons dans leurs intérieurs respectifs et leurs objets restent vivants, comme nous le montre Sébastien Thème. Dans l'exposition Jacques Doucet, Yves Saint Laurent, Vivre pour l'art, on découvre Jacques Doucet, grand couturier de la fin du 19e et sa collection des premières avant-gardes artistiques du début du 20e. Collection mise en parallèle avec celle du couple Yves Saint Laurent et Pierre Berger, eux aussi passionnés par l'art. Ces deux réunions de chefs-d'œuvre des beaux-arts ont été en fait faites en couple d'une certaine façon, c'est-à-dire dans un échange intellectuel pour Doucet avec le grand poète André Breton et pour Yves Saint Laurent avec son compagnon et complice Pierre Berger. Plus de 120 objets d'art sont mis en scène, tableaux, fauteuils et masques primitifs qui viennent des quatre coins du monde. L'exposition propose de recréer l'écrin originel des intérieurs de ces deux couturiers. Yves Saint Laurent, comme Jacques Doucet, sont très audacieux dans leurs accrochages. Ils mélangent des périodes, ils font parler les œuvres en telles. Chez Jacques Doucet, la muse endormie de Brancusi, célébrissime sculpture, se trouve posée par terre sur un petit coussin de bois. C'est fascinant, c'est comme une chasse au trésor. Non, parce que tout d'un coup, il y a un Brancusi par terre, il faut faire attention de ne pas le rater. Puis la juxtaposition de l'art primitif avec des choses beaucoup plus précieuses, je trouve que ça met en valeur, en fait, quand c'est beau, quand c'est exceptionnel, ça peut supporter la juxtaposition. Dans ces intérieurs, tout doit être beauté, tout doit être art. Jusqu'au cadre des tableaux que Jacques Doucet commande à de jeunes designers de l'époque, aujourd'hui célèbres, comme Hélène Gray, pour ce chef-d'œuvre de Manet sur la plage, un cadre qui est comme une œuvre autour de l'œuvre. On s'étonne des sculptures, des peintures, du choix, voilà. Et puis moi, je trouve qu'il se dégage beaucoup de raffinement. Ce sont des connaisseurs d'abord, mais il y a une sensibilité qui m'émeut.